c'est pas net là, il faut que je règle le focus. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous bien et surtout j'espère que toi tu vas bien derrière ton écran. Bon, on va commencer la vidéo, c'est la deuxième que je te propose sur Resident Evil 6. Franchement ce jeu, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il m'a échappé, je ne savais pas qu'il existait. Bon, ça arrive. C'est pas tout. Bon, si tu as loupé la première vidéo, je t'invite à aller la visionner et pourquoi pas laisser un pouce bleu et un commentaire si vraiment elle te plaît. Bon, j'arrête de tchatcher, je te reprends juste après, c'est parti, let's go, à tout de suite. On se retrouve pour la seconde vidéo, le deuxième épisode, si on peut l'intituler comme ça, si ça te plaît, de Resident Evil 6. Bon, cette fois-ci, il est un peu dynamique et le jeu propose un graphique vraiment excellent. Je précise qu'il date il y a à peu près 10 à 12 ans, voire un peu plus. Hein, à vous de vous renseigner sur internet et me dire la date de la sortie de Resident Evil 6 et je pense qu'il a 10 à 11 ans. Le vif du sujet, c'est de parler de Resident Evil 6, bien sûr, deuxième épisode. Je vous laisse avec les images. Si cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire dans cet espace qui est juste en dessous de la description. Vous dites si ce jeu vous plaît et même s'il ne vous plaît pas, c'est un avis que je respecte et que je comprends bien sûr. Bien évidemment, un abonnement, ça me soutient et ça me permet d'avancer sur YouTube et d'évoluer avec vous. J'ai tout dit, maintenant je vous dis à tout de suite, place à la vidéo, c'est parti, let's go! Bonjour à tous mes amis, c'est Chou Bleu, on se retrouve pour le deuxième volet ou la deuxième vidéo, comme tu veux, de Resident Evil 6. N'oublie pas de paramétrer ton gameplay, essaye de bien familiariser toutes les touches pour pas que tu sois perdu dans ce game. Voilà, j'ai tout fait, moi, le paramétrage en 1920 sur 1080 HD. J'ai boosté la fréquence d'affichage à 144 ou à 144 MHz pour avoir vraiment une belle image. Et image par seconde, j'en ai mis en plein la tronche, 60 FPS. Voilà, j'ai tout fait pour toi en haute résolution avec les moyens du bord, bien sûr. Donc, on reprend la suite de notre Resident Evil 6, c'est la suite. Tu te rappelles, au début de la première vidéo, j'ai mis à la fin, en fait, quand il courait, voilà, c'est là où on est arrivé. Donc si tu as loupé, bah, n'hésite pas à aller voir ma première vidéo, tu comprendras la suite de l'épisode. C'est parti, la luminosité, l'ajustement, le 6, il faudra qu'il soit lisible le minimum, hein, le minimum possible, hein, comme ça, tu flippes dans ce gameplay. Le but, c'est qu'il fasse sombre et tu te familiarises avec Resident Evil 6. Voilà, on est reparti, c'est la boule, c'est la merde, c'est la boule de feu, ça explose, on doit toujours courir. Voilà, je cours, pourquoi tu cours? Eh ben tu cours, fonce, fonce mon ami, ne t'arrête pas parce que tu seras obligé de recommencer comme moi 4 à 5 fois cet épisode et à un moment donné, ça devient lassant. Voilà, quand le gars il te dit par ici, bah tu continues, tu montes la première voiture, il y a le camion ou la camionnette, tu montes aussi, et là, avec toutes tes forces, tu sautes et tu te grippes à l'hélicoptère. C'est le seul moyen pour le moment où tu peux souffler. Attention, on y va. Oh putain, il y a un zombie qui essaye de me mordre la jambe ou les coucougnettes, je sais pas, à toi de voir. Par contre, je l'ai foutu dans la merde. Allez, on y va. Pour le moment, c'est bien. Pour le moment, on a l'impression qu'on est dans le film de Will Smith, là. Avec, je sais pas comment il s'appelle ce film, je m'en rappelle plus, avec le Joker et tout. C'est le même principe. Voilà, on est dans l'hélicoptère, c'est la merde, on a quitté le zombie. Maintenant, c'est l'hélico qui va se casser la gueule. Franchement, ce jeu-là, t'en prends plein la tronche. Allez, on y va. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. On est bon. Bon, ça c'est sup, c'est mes paramétrages, hein. Ne fais pas attention, hein. On doit vraiment prendre les commandes de cet hélicoptère. Voilà, pour le moment, on vole avec Elena. Merci Elena d'être venue, hein. C'est bien parce que le jeu, on commence avec deux personnages. Lui, moi je l'ai appelé Léonard, et Elena. Oh putain, le chauffeur, il est devenu un zombie. Putain, je dois viser là, pardon. Allez, on va lui tirer dans la tête. C'est bon. On a réussi à le tuer. Let's go. Encore une fois.
Putain, je sais pas viser ou quoi. C'est bon. Encore. Allez. Encore. Encore, encore, encore. Elena va tomber. Non. Ah, c'est bien. Merci, Elena. Elle a jeté le gars, là. C'est super. C'est super. On continue. Oh, putain. Oh là là. On est mal, hein. Franchement. Ah, oh, c'est chiant. Oh, putain, il y a un métro. Ah, j'ai même pas vu le métro. Eh, vous avez vu ça, mec? Oh là là. Attends, on se croirait dans Fast and Furious, dans la tour de Dubaï, là. Je sais pas si tu te rappelles. Et on sort de l'autre côté. Non, mais c'est le même truc. Vous avez vu, les gars? On se croirait dans Fast and Furious, quand la voiture saute de l'immeuble dans l'autre. Putain. Oh, on est bien, là. C'est bon. Ah, il s'est cassé la gueule. Oh, putain. Oh là là, regardez-moi ça. Eh non, mais il faut pas tomber dans ce truc-là. Hein. Ah, le coucou de Mounia, il vous bouffe. Hein. Oh non. Et voilà, il y a le lustre. Appuie sur 1. Allez, saute. Oh, putain. C'est pas réel, mais mes amis, j'en ai pris plein les oreilles. Ouf. Putain, ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est un truc de dingue. Il n'y a que de l'action dans cette vidéo. Voilà mes amis, si vous avez aimé, un pouce bleu, un commentaire et un abonnement. Il me reste plus qu'à vous dire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.